Merci. Bon, je vais essayer de reprendre un peu mon souffle. Depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours été animé par un désir artistique, étant petit. Voilà, mes parents, ma famille pourraient vous le raconter mieux que moi. Je montais des spectacles de chant, de danse, des mises en scène. Il y a toujours une fibre intérieure où a besoin d'exprimer mes émotions de par le corps. Et j'ai décidé du fait de faire de ma passion mon métier. Je suis devenu professeur de danse et danseur, contemporain, moderne, jazz, etc. Désolé. Ce qui me passionne, ce qui m'anime le plus dans le métier que je fais, c'est la rigueur que la danse nous oblige à avoir, avec une énorme dose de liberté. J'aime beaucoup l'improvisation. J'étais en impro pas mal de temps dans cette présentation. Pourquoi j'aime l'impro, c'est qu'est-ce que j'aurais envie de faire à l'instant T? Qu'est-ce qui va me venir dans le corps? Où ma curiosité m'emmène pour pouvoir évoluer dans l'espace, découvrir de nouvelles choses, des nouveaux chemins corporels, pour ensuite le cérébraliser après? Qu'est-ce que ça m'a apporté de nouveau, d'ancien, qui s'actualise, merci. Voilà, ou la nouveauté, quelle est dans ma recherche, dans ma curiosité, dans l'improvisation, quelle liberté je peux trouver pour ensuite l'intégrer dans une rigueur. Et pour moi, danser, c'est... Il y a une phrase qui dit danser, c'est être vivant. Bah, c'est un petit peu ce que je ressens. En ce sens que de par le corps, de par le mouvement, on peut exprimer toutes les émotions possibles et imaginables qui nous traversent. Et c'est ce que j'avais envie de mettre à profit dans mon art devant vous ou pas devant vous, en règle générale. C'est ce qui me pousse à me lever tous les matins, en tout cas. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.